Alors voilà, monsieur le psychanalyste, viens, je vais te faire visiter ma boîte crânienne. Vois mes yeux bleus, ma tête blonde de race aryenne. La race aryenne, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une création, ça. C'est les mots qu'on crée pour donner des explications. Sinon, la seule de valable, c'est ton imagination. Monsieur le psychanalyste, viens, je te fais visiter ma boîte crânienne dans ma tête de race aryenne. Tu crois que je suis un bon à rien? Bah t'as raison, je suis un bon à rien. Bah je le sais bien, on est tous des bons à rien. Ouais, y'en a un qui va dire, ouais, non, moi je. Bah, il faut toujours qu'il y en ait un qui se la pète. Mais moi, je suis Dieu, c'est moi, je me la pète. Encore plus que Dieu, encore plus que celui qui est. Je suis aussi. Oh là là, c'est vaniteux tout ça. C'est vaniteux. C'est comme le reflet dans un miroir. Ça tombe bien, j'en suis en face d'un. Mais dans ce miroir, je me regarde pas moi. Je vois les détails qui m'entourent. Je vois les poteaux. Je vois de l'amour. Je vois des feuilles, du papier, des écritures. Des armatures intellectuelles. Des idées, des concepts. Des symphonies lyriques. Inclus sur le disque dur de mon cortex. Monsieur le psychanalyste, viens, je te fais visiter ma boîte crânienne. Dans ma tête de race aryenne. Mais ça, c'est les autres qui le disent, hein. Moi, tu m'aurais peint en bleu, en vert. Ça m'aurait convenu. Moi, je me baladerais bien à poil, mais il nous a dit habillez-vous. Et obscène. Sinon, je m'étalerais bien en pleine nature. Ou dans la peinture. Comme ça, je me roule et je laisse des traces. Comme une boule de pétanque trempée dans l'huile. Qu'un enfant jetterait sur un terrain vague. Laissant une trace, un trait, un dessin, une ligne, un horizon. Et de là, nous avons créé le stylo bic. Grâce à un enfant qui a joué avec une boule de pétanque trempée dans l'huile de vidange jetée sur un terrain vague. De là l'écriture, la peinture, les idées, l'écriture.